Coucou tout le monde, allez les filles, on sort les rasoirs aujourd'hui parce qu'on va parler maillot de bain, c'est parti! Encore du maillot de bain, oui, je sais! Mais voilà, j'ai encore trouvé des pépites sur Cupsh, donc Cupsh, j'adore ce site, je vous en ai parlé au moins deux fois déjà sur ma vidéo, c'est des maillots de bain de qualité, j'ai eu énormément de retours sur ce site, puisque vous êtes satisfait de vos commandes, franchement, je le conseille à 2000%. Je vous mets bien sûr le lien en barre d'infos avec un petit code promo si ça vous intéresse, mais là, voilà, j'ai trouvé des nouvelles pépites. Bon, on aura du bleu turquoise dans cette vidéo, quoique c'est même pas, non, c'est pas du bleu turquoise, c'est du bleu ciel, bon bref, du bleu quand t'es bronzé, ça ressort super bien. Donc j'ai pris une taille L, je fais du 40-42, quoique je commence à être plus sur le 42. Alors, on a le haut comme ça, je vous mettrai la photo de la nana. Franchement, il est bleu électrique, je cherchais, il est bleu électrique, donc il est magnifique. Et ce qui est original, c'est derrière, regardez ça, il y a une sorte de croisement qui est super joli. Ensuite, on a le bas, donc c'est une culotte basique, on va dire. Oui, c'est une basique, c'est pas une montante, qui est comme ça. Donc l'ensemble est super beau, les couleurs sont super belles. Allez, on essaye ça. Alors voilà pour le premier, franchement, la couleur, mais la couleur, on en parle, il est magnifique, il est magnifique. Donc là, c'est pas une culotte montante, moi, certes, j'ai des cicatrices, mais pour aller à la mer faire bronzette, ça ira très bien. Il est super beau, je valide, il est magnifique, il a une couleur qui change. En étant un petit peu plus bronzé, franchement, ça rendra encore mieux. Moi, je valide. Donc voilà, je fais du 40-42, j'ai pris du L, je trouve que ça convient. Donc là, le croisement dans le dos, il est juste magnifique, je sais pas si vous verrez. Je valide à 2000% ce maillot de bain, il est magnifique. Ensuite, on part un peu sur du marin. J'en ai pas, donc j'ai voulu tester. Donc, comme d'habitude, vous les recevez dans des beaux petits sacs comme ça, marqués Cupsh. Ah là là, il est trop beau, il est trop beau. J'en avais pas du tout. Donc là, c'est culotte taille haute, comme ça. Et sur les côtés, vous avez le petit détail qui tue, les petites ficelles. Il est trop beau. Ensuite, le haut, il est plutôt... Attendez, je cherche. Ah ouais, alors c'est comme ça. Donc il est croisé devant et derrière vous avez un petit croisement aussi. Bon bref, vous savez quoi? Allez, hop, on l'essaye. Alors franchement, j'ai un dilemme parce que là, je sais pas, j'ai vraiment aussi un coup de cœur. Dites-moi surtout lequel des maillots de bain vous préférez. Mais celui-ci, voilà, marin comme ça. C'est tellement classe, c'est beau. On a un croisement à ce niveau-là, ça change, c'est original. C'est ce qui fait un peu la différence des maillots de bain Cupsh, hein. C'est que vraiment, il y a l'originalité dans leur maillot de bain. Là, c'est une culotte taille haute, comme vous pouvez le voir, le détail qui tue. On est sur du marin, quoi, j'adore. Franchement, c'est super beau. Et dans le dos, c'est comme ça. C'est super joli. Oh là là, comment je les adore. Ils sont magnifiques. Pour l'instant, les deux-là, je les valide. À voir le reste et je vous dirai vraiment à la fin mon vrai coup de cœur. Ensuite, on a du cougar, les gars. Ouais, alors, je suis pas trop léopard, mais là, c'était du léopard bleu. Et j'ai dit, pourquoi pas essayer, sachant que j'en essayais pas mal. Et je voulais un peu changer, hein, il en faut pour tout le monde. Donc, le haut est magnifique. Franchement, la couleur, elle est de ouf. Elle est comme ça. Alors, est-ce que c'est le même bleu? Non, vous voyez, c'est pas vraiment le même bleu. Un petit chouïa plus bleu. Donc, celui-là, les tototes ont l'air un peu plus grandes, j'aime bien. Le croisement là et derrière, franchement, allez, faut pas que je mélange, ça c'est celui-ci. Et la culotte, alors c'est du montant aussi, avec le petit détail sur le côté. Elle est pas moche, hein, franchement, je suis pas très léopard tacheté, mais celle-là, je l'ai trouvée super jolie. Donc vous savez quoi, on l'essaye tout de suite. Alors celui-ci, il est magnifique aussi, on a du croisement devant, ce qui fait voilà son originalité. Il est bleu électrique, c'est magnifique ce bleu-là, franchement, foncez, prenez du bleu les filles, ça rend tellement bien. Donc la culotte, voilà, c'est pas trop une culotte taille haute, c'est une culotte normale avec un croisement à ce niveau-là. Donc je le trouve vraiment très joli. Hein. Dans le dos, on a du croisement comme ça, ce qui fait que ben, voilà, vous pouvez le resserrer aussi si vous voulez maintenir un peu plus le devant. Mais je le trouve magnifique aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, il est magnifique. Ensuite, alors c'est quoi celui-là? Il est rose, il y a du rose, j'adore le rose. Il est comme ceci, regardez-moi ça. Il est trop beau, trop girly. C'est pas la même matière, je ne sais pas si vous verrez bien. Donc bien sûr, ils sont tous doublés, ça pue pas, il n'y a pas de fil, c'est de la qualité de fou. D'abord, franchement, vous pouvez regarder, il y a plein de vidéos sur Cupsh, c'est réputé, c'est connu. Et la culotte, elle est comme ça. Donc c'est une culotte montante, là, qui est plutôt violette. Et il y a un petit rappel de rose dessus. Donc l'ensemble est comme ça. J'ai dit ça change, pourquoi pas. Après, je suis pas fan du violet, mais je voulais vraiment prendre des maillots de bain qui changent pour vous montrer un peu ce que ça donne, ma portée et justement varier les motifs. Alors certes, hein, j'ai déjà dit, j'ai pas encore de rêve, mais c'est pas parce qu'on fait du 42, 44, 48, 52 qu'on n'a pas le droit de mettre des beaux maillots de bain comme ça. Allez, c'est parti, j'essaye. Alors celui-ci, j'adore puisqu'il fait un peu pin-up, un peu rétro. On a le rose fluo. Franchement, c'est un rose assez flashy qui est super joli. Ce qui fait la différence, c'est la matière.
le fait que les bretelles soient recentrées un peu plus que les autres maillots de bain. On a la culotte montante. Moi, franchement, je valide, je le trouve super beau. C'est vraiment un style qui change des autres maillots de bain. Un peu rétro, un peu années 60. J'adore, franchement, je valide. Ensuite, alors celui-ci, c'est pour Léna. Donc sachez, hein, voilà, vous pouvez trouver des petites tailles comme des plus grandes tailles, du curvy. Alors Léna, je lui ai pris, alors c'est du... Léna, c'est du XS, je crois. Ouais, XS. Donc c'est la mode des maillots de bain comme ça. Alors je vous avoue que moi, c'est un cache-téton. C'est pas la peine. Je le ferai pas essayer à Léna, puisque voilà, je trouve que bah, elle est jeune et j'ai pas envie de l'exposer en maillot de bain sur YouTube. Je pense que vous me comprendrez. Mais je vais vous faire voir comment il est magnifique. Je vous mettrai la photo de la nana portée, bien sûr. Il est magnifique, il est de ouf. Donc j'avais déjà pris un pantalon, un jogging comme ça, et ça revient à la mode. Et la culotte qui est comme ceci. Donc voilà, c'est un deux pièces basique. Bien sûr, je vous mets les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Hein. Vous voyez, il y a le petit détail, il y a une petite coque, vous pouvez l'enlever. Franchement, il est magnifique. Alors moi, c'est pas le genre de maillot de bain que je mettrais, mais je sais que elle, quand je lui fais voir comme ça, je dis « Regarde, on a reçu ton maillot de bain, elle était comme une dingue. » Donc voilà. Donc voilà, on finit en maillot de bain, on s'en fout. Je suis toute décoiffée à force d'avoir essayé des maillots de bain. Alors j'ai deux gros coups de cœur, c'est les deux premiers. Vous savez, le marin comme ça et le bleu électrique, ils sont topissime. C'est juste une histoire de goût et de couleur hein, parce qu'ils sont tous magnifiques, la qualité est de dingue. Mais voilà, moi j'adore ce style-là. Sachez que vous avez des maillots de bain une pièce, des maillots de bain montants, des maillots de bain rétro, des bikinis, des strings. Vous avez de tout sur Cupsh. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour si vous cherchez un beau maillot de bain pour cet été. Je vous mets le lien en barre d'infos bien sûr. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel maillot de bain vous avez préféré. Et si vous aimez ce genre de vidéo, j'en referai avec grand plaisir. En tout cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner sur ma chaîne. Et à bientôt les filles, ciao !